Salut à tous, c'est Alizéa. On se retrouve pour la vidéo tant attendue, l'arrivée de la nouvelle extension sur Magic Arena, Throne of Eldraine ou le trône d'Eldraine. J'ai précommandé, donc comme d'habitude, le petit pack de boosters de la nouvelle extension et j'avais farmé quelques pièces d'or, donc j'ai claqué 20 000 pièces d'or pour avoir des boosters. On va faire une session d'ouverture, on va regarder un petit peu ce qu'on a et du coup je pense qu'assez rapidement je vais pouvoir vous présenter deux nouveaux decks. J'ai déjà commencé à travailler dessus, j'ai des petites listes, je dois avoir 5 ou 6 decks prêts, il ne manque plus que les cartes de la nouvelle extension et donc je pourrais vous faire ça assez rapidement. Donc c'est parti, on va pouvoir ouvrir les boosters, on va regarder un peu ce qu'on a dedans. On va pas traîner non plus pour faire une vidéo de 107 ans. Ok. Ok, d'accord. Pour l'instant, j'ai des idées des cartes qui m'intéressent. Maintenant, reste à voir un peu plus en détail. Alors, ok. Guerrier piétinement. D'accord. On continue. Ok, ok. C'est parti. J'attends des cartes bien précises. Hein. Jetons humain avec une petite poule. A chaque fois que vous lancez un sort que... Alors, vous ne pouvez lancer les sorts que pendant votre tour. Vous ne pouvez pas lancer plus de sorts chaque tour. Chaque tour, un coup commandant, mais un temps contrôlé. Sans payer leur coup de mana. Ok, très bien. Pour l'instant, pas grand chose qui m'intéresse. Mais ça sera sûrement utile par la suite. 2 blessures à n'importe quelle cible. 4 blessures à la place. Ah! Lui, il m'intéresse. Alors, on a un petit hibou. Je vais peut-être essayer de faire un Ezo. Lui aussi, il m'intéresse. Très bien. Alors, non. Une wildcard rare. On continue. Fracasseur des remparts. La bête frappée d'amour ne peut pas attaquer à moins que vous ne contrôliez. Ouais, pourquoi pas. Ça reste une carte fort sympathique. Ça m'intéresse. Si on montre mana noir en tête et l'un, plus... ouais, bof. Créer un jeton nourriture. Ah, ça c'est pas mal. Une mythique. Je regarde le temps défiler en même temps. Ogre, terrain, très bien. Ouais, ça à voir. Droiture. Elf. Ok, j'ai une créature noire, puis j'ai une carte. Ok, d'accord. Un petit Garruk. Peut-être que je jouerai. Ce duo de couleurs là, pour l'instant c'est pas prévu. Alors, tant que le grand est sur le champ de bataille, il a le contrôle de ce permanent, il perd toutes ses capacités, il peut ni attaquer ni plus. Ok, d'accord. Joute. Renvoyer les créatures subies, concours un X dans la main, vous créez X de ton. Putain, ça peut être. Peut-être pas mal ça. Vengeance, ok. Le grand serpent. C'est pas prévu que je le joue. C'est toujours intéressant à voir ce genre de bête. Non, non plus.
J'ai pour l'instant que quelques petites cartes. Non plus. C'est pas prévu en tout cas. Après, j'exclus pas le fait que. C'est trop cher. Ça peut être super bien ça. Non. Ah, le petit hibou, il est cher. Mais à voir. Non plus. Même si c'était une très bonne carte. Dragon, non. Ça va me servir aussi. Je pense que là, vous commencez à savoir un petit peu vers où on se dirige. Parfait, ça aussi, il faudra que je le teste. Ok. Horloge de minuit. Ouais. Bon, j'ai plein de terrain là, mais c'est pas ça qui m'intéresse vraiment, quoi. Feu, tueur, la loi d'or. J'ai pas prévu de l'utiliser pour le moment. Gagne plus un pour chaque couleur de permanent. Oh, arrête de gesticuler. Que vous contrôlez pour chaque couleur que vous contrôlez, ajoutez un mana de cette couleur. Ouais, ça peut être pas mal à voir. Un petit Celestia Token, ça peut le faire. Ah, Oko, potentiellement aussi. Ah, une deuxième, très bien. Ça m'intéresse. Une mythique. Alors, alliance improbable. À chaque fois que vous pêchez une carte, ouais, bof. Il fait curtera sur le champ de bataille. Chaque joueur gagne. Non. Chaque fois que la... Ok. Non. Faudra que je regarde combien j'ai de... Oh là, mais j'ai, c'est bon. Je l'ai 4 fois celle-là, j'en veux plus. Terrain de tournoi, très bien. Non. Pour l'instant, j'ai... C'est pas non plus extraordinaire. Ça, peut-être m'amuser un petit peu avec ça. Faire un petit deck fun avec. Non. Ah, mais les gargouilles, c'est bon. Arrêtez avec les gargouilles. Chasseur d'élite. Deuxième fois. Bon, bah, j'espère que je vais avoir pas mal de. Un tournoi. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans les mains des joueurs. Chaque joueur pioche X cartes. Chaque adversaire met en cimetière le nombre de cartes égal au nombre de cartes dans sa main. Ça peut être sympa avec le Planeswalker. J'ai oublié son nom, le bleu. Ah, troll festoyant. C'est un petit peu cher quand même, hein. Non. Bon. C'est pas trop beaucoup ça par rapport à ce que je veux jouer. Ça m'enchante pas des masses. Vol d'un dieu créature sur le matin ou qui meurt pour une... Ah, ça c'est très chiant. Ça contre les... Dès que Ozroth
faire que la création de l'armée sur le champ de bataille comme une copie de n'importe quel artefact ou enchantement sur le champ de bataille, d'accord. Je suis un petit peu déçu là. Un champ de bataille contre une autre créature, il y en a 5 cartes, j'ai celui. Ça peut être pas mal. Ça peut être bien, ça. Ça va me servir. Ah! Ça va me servir. Non. Je m'aviserais peut-être faire un mono bleu meule. Enfin, ou. Alors, il arrive sur le champ de bataille avec un marqueur puissant sur lui, assommé attaque à chaque combat si possible, bien sûr qu'il doit être infligé, j'allais un. Okay. Alors, si les blessures doivent être infligées sur là, pendant qu'il a un marqueur puissant, il peut donner ses blessures et t'allier un marqueur puissant. Ah, ça c'est pas mal ça aussi. Chevalier mortel, le grand serpent, encore une fois. Apprenti dépassé. Yes! Une deuxième fois aussi, ça c'est bien. Ça me fera moins de wildcard à utiliser pour récupérer mes cartes qu'il me faut. Évasion des friches, ok. Je retour, ok. Ok, au début de son je suis lui, au hasard, créer un. Sacrifier personne de la chaîne, une carte de terrain de base, mettre sur le champ de bataille, mélanger un ciel de bibliothèque, puis si vous contrôlez en 4 terrains, dégagez ce terrain. Ok. Why not? Why not? Bon, décidément. Tout ce qui brille. Mais je vais en avoir combien, des trucs comme ça, là? Il me file que des terrains. C'est le truc le moins important. Ah! Ça aussi, il m'en faut. Ok, très bien. Ça c'est bien, ça il m'en faut. Ça aussi c'est bien. Bon, je pense que vous en doutez, je pars sur du chevalier, du Izzet Phoenix, du Simic Flash, du mono vert rampe, Vécurte heureux. Je sais plus ce que j'avais vu, prévu d'autre. Cheval d'aventure, à chaque fois que vous lancez un sort de créature avec, qui a aventure, mettez un marqueur puissant plus un. Ok, oh, ça peut être pas mal. Prince charmant, quand le prince charmant est en exil, la carte à la créature supplémentaire, oui. Ouais, ça peut, ça je vais pouvoir m'amuser avec ça. Ok, je pense que je vais me faire un deck bleu aussi, un bleu pioche de ses morts. Il met un paysan. Ouais. Plus que 7. Plus que 6. Bon, je pense que je vais en prendre un petit peu plus. Marionnette curieuse. Frappée d'amour. Les petites musiques rattachées à certaines cartes pour donner des petits effets. Ok. Je sais pas où on en est mon Volt, mais yes, une deuxième, très bien. Alors, que restait-il? Pour le Simic Flash, c'est parfait ça. Ok.
Encore un grand serpent. Alors, on va en reprendre d'autres. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on va en faire. Hop. Voilà. 15 de plus. Histoire de voir un petit peu. Bannière. Ok. Fatalité prédite. Très bien. Piocher une carte, perdre un point de vie, contact mortel. Ça peut être pas mal, ça. Par contre, c'est 3. Passage merveilleux, deuxième du nom. Ça peut être sympa sur du deck multicolore. Archonte de l'absolution. Protection contre le blanc, créature ne peut pas vous attaquer. Attaque plus vraiment contre paye 1 pour chacune de ces créatures. Bien relou. Ça, je m'en serais bien passé. Ah, bah là, on passe au vert. Par contre, j'ai beaucoup de trucs Unco. Création de miroir, ok. Ok. Cheval, ok. Encore un grand serpent. Une mythique card. Ajoutez 7, vous ne pouvez lancer qu'un sort de plus ce tour-ci. Ok. Encore un passage merveilleux. C'est vraiment pas ouf, hein. Je suis pas trop chanceux sur cette session de d'ouverture de booster. Le flûteur de rat. Ne vous inquiétez pas, je vais réussir à monter mes petits decks. Je pense que je vais commencer par le chevalier. Ou le Simic Flash. Je sais pas. Ah, serait-ce un signe pour que je m'occupe du deck chevalier en priorité? Mais il manque la mono rouge chevalier avec la célérité. Méchant loup, arrive sur le champ de bataille, se bat contre jusqu'à une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Petit deck loup aussi, ça peut être sympa. Ah, bah ça aussi, il me les manque. Mais bon, c'est de l'Anko. Géant drapé de royaume, détruisez toutes les créatures non géants. Et après, une 7-7 vigilance. Bon, et bah c'était une petite session d'ouverture, ma foi, fort sympathique. Alors voilà, il y a tous les nouveaux decks qui sont arrivés là. Donc ça c'est tout, voilà. Ça c'est tout ce qui est en sortie de rotation, je suppose. Et ça, c'est tout ce que j'ai. 1, 2, 3, 4. Et il m'en manque. J'en ai fait d'autres. Ah, me dis pas qu'il les a dégagés. Ah, mince, je pensais. Qu'est-ce qui. Ah oui, très juste. Voilà. Donc normalement c'est bon. Ça c'est bon. Je vérifie qu'il n'y en ait pas d'autres qui soient. Il est rotation proof de base lui. À part la peste feu, il est rotation proof. Oh putain, très bien. Donc du coup le deck gate est toujours viable. Ça c'est mort, ça c'est mort, ça c'est mort. Qu'est-ce qu'on a d'autre de potentiel? Ça, celui-là, ouais. Élémentaire, ok, d'accord. Ah, l'Osrof Aristocrate aussi est rotation proof. Il y a quoi qui. Enfin, à part ça, ouais, bah nickel. Super, enfin, voilà. Du coup, bah, tout ça, on va dégager. Tout ça, bah, je dégagerai. Hein.
La Légion de Boros, c'est une nouvelle version parce qu'il y avait déjà un Twitch Prime avec, avec ça. Donc du coup voilà, Simic Flash, Mono Vert, IZ Phoenix, Mardu et Mono Red. Voilà ce qui vous attend dans les prochaines semaines à venir en présentation de tech sur ma chaîne. Voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et à visiter mon petit lien Utip. Moi, sur ce, je vous donne rendez-vous donc à partir de la semaine prochaine pour les premières présentations de deck avec la nouvelle extension Throne of Eldraine. Moi, sur ce, je vous laisse là. Ciao, ciao tout le monde.